Plusieurs anglophones aussi qui vont suivre ce moment agréable, ce moment d'adoration. Apostle Ako, can you just tell them what you are trying to do in this moment at this place? Thank you very much, Papa. God bless you all wherever you're joining and wherever you're watching this from. I trust and I believe God that God is already there right where you are. The Bible says how good and pleasant it is for brethren to gather together in unity. Listen to me, there is always something good about us gathering together. And what we are doing here is not a programming, it's not anything formal. We are just here to bless the name of the Lord. That makes you from you seeking God to God seeking you. I always love it so much when I see believers just gather together to worship God, because it tells you and it tells me that we understand who God is, because that is the one thing which God cannot give himself. Hallelujah. So we are just here blessing the name of the Lord, exalting, and I believe the Bible says wherever two or three are gathered, the Lord is always there in their midst. So anything can happen wherever you are watching. Don't just look at us pray, don't just look at us sit. Fellowship with us, and as we gather together in one accord, the Spirit of the Lord will move. He will brood over this place, and I believe that something begins to break upon your life. Yes. See, one thing I also believe in, I don't believe in coincidence. I believe in the orchestrations of the Spirit. Amen. I believe that the Holy Spirit is in charge of everything. Mm-hmm. This was not planned, it was not arranged. And for us to gather together and do this, it means somebody is still going to be blessed by it. So embrace yourself and let us just flow with the Spirit. Can you do that? Wherever you are, don't just look at it from your phone. Get a position, get somewhere. If you have to comment, if you have to just flow with us, tell us what you're experiencing. And if God lays anything in our heart, we would love to just bless the name of the Lord by releasing that. We would love to just speak it out and make the world know that God is great. I'm excited for what God wants to do. Now, this is what I want you to do now. Before you get anywhere, the first thing you have to fight and stop is distraction. Stop and silence every form of distraction. Even if it is just 5 minutes, 10 minutes that we are here for, just don't distract yourself. Enter into the spiritual realm with us and let us begin to receive from God. Now, if you don't mind, what I want you to do also is in your heart, just begin to connect. Don't ask for anything. Don't ask for anything. Just say, Lord, I love you. I give my heart to you. I render everything about me to you. I submit myself as a man to you. That is what God expects of you. The Bible says these are the people that he made to show forth his praises. So you are supposed to show forth God's praises. Let us enter into that realm. Glorify our God. And make the Lord proud right now. Oh, yes. Everybody just begin. Let us just continue to just bless the name of the Lord. If you can just flow in the Spirit, however we can do it, I would just love that. Let us just flow with it right now. And just continue to just bless in the name of the Lord. Hallelujah. Father, we bless you. Oh yes, élève ta voix et continue à adorer le Seigneur. Entre dans l'atmosphère. Oh yes. Entre dans l'atmosphère d'adoration et élevez les noms de l'Éternel. Est-ce que Dieu règne maintenant autour de toi? Oh, attache-toi au trône de sa majesté. Oh Yeshua Mashiach. Médite le merveille de l'Éternel. Médite le merveille de Dieu. Ce soir, que quelque chose puisse s'effacer dans ta vie. Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur, Jesus. Oh Baba, Jésus, oh Baba, à santé les âmes, gloria Baba, oui, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, et nous t'élevons ce soir avec ta servante Emmanuel qui va nous amener dans les hauteurs encore ce soir. Merci Jésus, merci Jésus. Quelle merveille de nous amener dans ta présence. Quelle merveille de nous amener dans les hôtels ce soir. Quelle merveille de nous amener, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Yeshua, a élevé le trône de ta majesté. A glorifié le Tout-Puissant Créateur.
Oh, reçois l'honneur ce soir. Merci Jésus. Oh, Jesus. Merci Jésus. Merci mon âme et ton âme. Gloria Bala. Merci Jésus. Oh,
Oh.
de la tribu de Judas, le narcisse de Salomon est ton nom. Oh, yes. Sois élevé, oh, toi, yes. Yahweh. Oh, yes. Sois magnifié, oh, Shaddai. Yes. Sois magnifié, yes. Le lion de la tribu de Judas. Il n'y a personne comme toi. There is nobody like you, Lord. Who is like you, Lord? There is no one like you. Oh, Nikamashina, la Shakalima. I praise you, O Lord. I praise you, O Lord. I elevate your name, O Lord. Venu où le vrai adorateur adorant le Père
en esprit et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, adorer en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Bien-aimé, vous pouvez chanter, mais vous n'adorez pas. Vous pouvez chanter, mais vous ne louez pas. Vous pouvez, bien-aimé dans le Seigneur, pleurer, mais vous n'êtes pas en train d'adorer. Si Jésus a dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui adoraient, bien-aimés, dans le mensonge, ainsi dans la chair, ça peut arriver. Mais adorer dans ces cas-là ne veut pas dire seulement chanter. Vous pouvez profiter de ce moment où vous vous sentez bien, où vous sentez bien dans la présence. Oui, ça c'est la sensation, mais est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Pour vous aider à adorer, c'est quoi, bien-aimé? Alléluia. En passant le passage dans Jean 84, si nous rappelons ce que Paul est en train de dire, alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 16, nous descendons. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez comprendre que bien-aimé, adorer, c'est au-delà de chanter. Lorsque ta vie ce soir soit une adoration, alléluia. Que lorsque l'Éternel te voit, il dit, cet homme est en train de m'adorer. Lorsque le Dieu de gloire te voit, il dit, cette femme est en train de m'adorer. Que ta vie soit une adoration, que tu marches selon l'Esprit, que tu adores l'Éternel dans la vérité. Ne t'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, juste à chanter, mais adore en esprit et en vérité. Ce soir, reçois cela, que ça soit, bien-aimé, ta motivation, que tu marches selon l'esprit, que tu n'accomplisses pas les désirs de la chair. Adore en esprit et en vérité. Ne chante pas seulement, mais adore. Que ta vie soit une adoration, que tes démarches soient une adoration. Que tes actions adorent l'Éternel. Tu sais, tu peux adorer sans chanter. Tu sais, tu peux louer l'Éternel sans exprimer. Bien-aimé, nous pouvons exprimer ce que nous vivons. Mais si tu exprimes ce que tu ne vis pas, ça ne fonctionne pas. Oh, il ne règne jamais. Le roi des gloires. Profite de ce temps. Et profite de cette parole pour que quelque chose puisse prendre place dans ta vie. Alléluia. Hosanna. Yes, we feel my pastor. Father, we give you praise. Glory, we exalt your name. We've not even gotten deep into it, but just now while we were worshiping, I felt an opening. Oh. And I will explain what I mean by an opening. Mm-hmm. And there is so much, just as you were saying, you said, you can be singing, but yet you're not worshiping. Very true. And when I'm talking about, I felt the opening which I need and which somebody that is listening to me needs is this. Tu as besoin de ça, toi qui écoutes l'apôtre maintenant. Listen to this. Écoute, there was a time Jesus was at a well. Il était là en train de marcher. And a woman from a nation called Samaria came there. Il y avait une femme samaritaine. Some of you already know Bible students, you know the story. Vous connaissez l'histoire. And Jesus told this woman something very important. Et Jésus lui a dit à cette femme samaritaine quelque chose de très important. He told the woman, he says, you see, the problem with the difference between you and I is, you Samaritans, you worship what you don't know. Et la différence entre nous et vous, les Samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. But we the Jews, we worship what we are. Mais nous, Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Let me switch it. I know it was Jews and Samaritans at that time. Je sais que c'était les Samaritains, les Juifs à ce moment, mais maintenant. In our times as believers now, see the croyants. Many people worship who they don't know. Il y a beaucoup de gens qui adorent celui qui ne connaissent many pas. Many people exalt. They sing all glory, all power to the one who they don't know. Il y a des gens qui adorent et il dit des choses de puissance pour celui qui ne connaît pas. The Bible says he's seeking for they that worship him in truth and in spirit. C'est pourquoi la Bible dit il cherche vraiment celui qui l'adore. Not everybody has entered into that revelation. Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans cette révélation. Many people can go to church and sing, but they don't worship. Beaucoup de gens partent à l'église pour chanter, mais ils n'adorent pas. Alléluia. In Numbers chapter 17, dans Nombre 17, there was a time the Lord needed to pick a priest.
Il y a un temps, Dieu voulait prendre the Lord told Moses. He says, Moses, pick up sticks. You know what a stick is, right? Exactly. Et le Seigneur parla à Moïse, il dit, prends le bâton. And Moses told all of the tribes, pick up your rods and everything. Moïse dira à toute la nation de prendre. And he says, put it in front of the tabernacle. Et amener ce bâton and devant le tabernacle. You don't know what the tabernacle is the presence of God. It signifies the si presence vous ne of savez God. Pas c'est quoi le tabernacle, mais le tabernacle c'est la présence de Dieu. The Bible says the next morning, le lendemain matin, by the time they came there, pendant qu'il venait, the Bible says, la Bible dit, Aaron's rod, le bâton d'Aaron, it has germinated flower, il a commencé à faire pousser de fleurs et ça donnait aussi de fruits. See, that may sound very ordinary. Ça paraît ordinaire. Until you understand that a rod, a stick, is a part of a branch that is completely dry. Jusqu'à ce que tu comprennes que le bois là, c'est le bâton là, c'est juste une partie d'un bois qui est déjà sec. And it is completely, it means it is useless. It doesn't have life. C'est devenu inutile. Ça n'a plus d'avenir. But the moment that useless branch. Mais pendant que cette branche inutile, it came before the presence of God. Et qu'elle est venue à la présence overnight, de Dieu. Le lendemain, dans la nuit, it bear fruit and it have flowers. Ça produit les fruits et les fleurs. Ah, yeah. Oh my before God. A branch will bear fruit and flower, it must be planted. Avant que une branche puisse produire les fruits, il doit d'abord être planté, il doit être un arbre. And then it must bear then the leaves. Après ça, là, il va avoir des feuilles et the après God, les fruits. Mais le Seigneur, à cause de sa présence, everything biology il a vraiment sauté les étapes. And just from a little branch, seulement une petite branche, people could know that that is an Aaron, a victory. Et les gens devaient découvrir que ça c'est le bâton d'Aaron. Because of the presence of God. À cause de la présence. And you fast forward time. Et nous avançons. A certain young prophet got up by name Jeremiah. Un jour le Seigneur a pris. And the Lord asked Jeremiah. He says, Jeremiah, what do you see? Il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jeremiah says, I see a rod. Jérémie dit, je vois. He says, it's the rod of Aaron. Je vois le bois, le bâton d'Aaron. With the fig trees on it. Qui a les fruits dessus? Alléluia. Oh, tu ne comprends pas cela. Jeremiah was able to see the same rod. Jérémie devait être capable de voir les mêmes branches. A position. Le bâton d'Aaron. In other words, and the Lord says, Jeremiah, you have seen well, so I will hasten my words. Alléluia. Et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. And now listen to this people of God. In case you don't understand, what the Lord was teaching us through Jeremiah is this. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner? It means there is going to be a set of people. Il y aura certaines personnes. At a certain time. À un certain moment. That are going to be dried off. Tu es think about the presence of God.
Pense à cette branche-là. Pense à la branche de Dieu. Mais quand tu viendras dans la branche de Dieu. And the best news I always give out. Il y a une belle nouvelle, bonne nouvelle. You are not on the throne. Because God is on the throne. Le Seigneur is the way out. Le Seigneur est sur le trône. God is on the throne. I believe God is making out something for us. Le Seigneur est dans notre bagage. See, that is why I can never ever stop to exalt. C'est pour ça que je ne m'arrêterai pas de lever le nom de Dieu. Only me, if I enter the presence of God through worship or any way, je crois que j'entre dans la présence de Dieu. I cannot come back the same. Je ne peux pas sortir de la même manière. Fire la sombre. Alléluia. Si tu as marché à mon rêve, amen.
Oh, il y a des gens qui le Seigneur est en train d'atteindre dans leur cœur ce soir. May hearts be open, oh God. Laisse que ces cœurs soient ouverts. And for us, can we just pray? I feel like God wants to water up the hearts of many. I want us to just raise up our voices and let's just pray and say, Father, as many as are out there, just water their hearts, that their hearts may be soaked enough to receive the word of God. That many out there will be able to accept Jesus. Many out there in the city, outside of the city, let people just be able to receive this gospel. Not just because they are going to church, but because they want to have an encounter with God. They want to personally know Jesus and live for Him. That is the sense that I'm feeling right now. And Father, right now we make a declaration in the name of Jesus. Every voice, everyone listening to us, wherever you are, I decree that let there be fullness upon your heart. Listen to me. You will receive this gospel. We will be Christians in and out. We will represent God in the best way. We will make God proud in this time. If God is looking for a man to use, He will look and see us worthy. If God is looking for a woman to use, He will look and see us worthy. If God is looking for a boy to use, He will look and see us worthy, God. We will understand the word of God. We will understand the power of God. We will put our knees to pray. We will spend time to understand the glory of God. The grace of the Lord will pass us through. Wherever we go, as children of God, many will know that God is there. 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 Wherever we represent, wherever we find ourselves, your presence, God, your presence, God. Dieu cherche quelqu'un. Hosanna à toi. Hosanna. Alléluia. Je suis Seigneur. Merci le roi de gloire. Abba Saint les âmes. Oh, merci Jésus. J'aimerais que nous puissions faire quelque chose, bien-aimé. Une prière spéciale, je vais demander à l'apôtre et tout le reste, tout le monde ici. Notre sœur Emmanuel, notre frère Emmanuel, nous allons prier. Bien-aimé, je fais une vision. Et cette vision me fait peur. Où je vois une nouvelle, un nouveau variant de COVID-19. Qui est encore plus fort que ce que nous voyons maintenant. Dans cette vision, je vois les gens se moucher avec des boules de sang qui sortent d'eux. Je vois dans cette vision des boules de sang, les gens qui se mouchent, des boules de sang qui sortent. Et ça ne prend pas longtemps avant que tu remarques, dès que tu rencontres quelqu'un qui a là déjà ce variant, il te contamine tout de suite. 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, tu commences à expérimenter cela. Je vis ces choses-là, nous voulons prier que Dieu de gloire nous parle de ça. Je vis une autre chose où j'avais vu une carence, il y aura une carence dans les services de garde. Les gens ne sauront pas comment faire, aller faire garder leurs enfants. Et je me questionnais, Seigneur, c'est pourquoi cela? Et je commençais à comprendre qu'il y a certains parents qui ne prennent pas, qui ne vont pas prendre de vaccin, ne pourront pas avoir de place dans les services de garde pour leurs enfants. Et ça va causer beaucoup de calamités. Nous voulons prier que les gouvernements n'arrivent pas à prendre ce genre de décision. Parce que dans le droit et la liberté de l'homme, we need God to intervene. Bien aimé, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi nous allons profiter de ce temps. Que Dieu nous aide et qu'il éradique ce genre de problème. In the mighty name of Jesus. Alléluia, que lui prie. Hosanna, toi, le roi des rois. Father, go mighty. We come against you. We need your intervention. Nous avons besoin d'intervention. Viens aider le peuple, Seigneur. Baba, Seigneur, ne touche pas tes enfants. Qu'est-ce que va tes enfants soient éloignés de ce variant de virus, Seigneur. Papa, éloigne les Seigneurs. Donc, je reviens dans leur vie. Au nom de Jésus, Father, we need your grace. Mon bénédiction,
We give you the right. Oh, hallelujah. Father, manifeste, Seigneur, loin de ton peuple. Tout ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous vous conspirons, Seigneur. Oh, Dieu, tu viens pour détruire la vie de Dieu. Nous savons que la vie de Dieu est tout. Mais Seigneur, c'est toi qui es décideur et non pas notre président. My God. Let's show the Mumbai No weapon for me as you prosper. Oh, in the name of Jesus. We pray that let your spirit take charge right now. We pray that let your grace take charge right now. The Bible says wherever the angel of death will see that blood, it will pass over. Hallelujah. Father, we smear every house, every heart, every family with the blood of Jesus. That the spirit of death and diseases will go over us as that blood begins to manifest. Over homes, over families, over hearts, over individuals, oh God. We just come, oh God, as your servant in agreement, oh God. The Bible says whatever tools are done and agreed, it shall be established. Lord, we come in agreement, oh God, and we decree, oh God, let strength, let health, let healing be released upon your people, oh God. Let protection and comfort, oh God, be released upon your people. Let homes, let families be protected. Let them be covered, Father, no matter what comes, oh God. Oh yes, oh Mashiach. God's hand and mind would come over them. Que le Seigneur, that was a vision I saw. The Lord opened my eyes and I saw vision, a very big, long prison. Il a vu and I saw a lot of young people inside. Il y avait beaucoup de jeunes, and they were crying and screaming. Et ils étaient and I could see demonic forces. Et je l'ai vu des démons, les forces de démons that they will not be let go. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. The Lord has been laying so much burden in my heart. Et le Seigneur a mis un feu dans lui. That I should pray and stand against suicide for young people. Et nous allons nous. That I should pray against murder for young ones. Prier contre la suicide. Stubbornness as well. Esprit de limitation. And all of these things. That is the mighty way what the devil wants to release upon them. Hallelujah. And it breaks my heart. Et il a brisé son when cœur. I see young ones that are supposed to be jeunes, the next generation, la génération they don't even know how to honor God. Ils ne savent pas comment honorer Dieu. They don't even know what to say, what they stand ils ne savent pas comment parler. They don't judge, it's just a thing that they go and gather. Ils ne savent pas they don't even understand what fellowship is. My heart bleeds. So that is why, Father, I pray right now for everyone that is the voice of the Lord will activate and desire like never before. That many will be set on fire. That many will experience God. That many will see the voice of God. That many of them will experience God. Father, if there is a revival you want to cause, just do it, God. Let them get the things of God. Let them be some of the things of God. Let them honor the grace of God. Alléluia, toi le roi de gloire. Bien-aimé, j'ai une parole pour toi ce soir. Avant que nous puissions clôturer ce temps d'adoration, de prière, parce que le temps nous manquera, vous continuez. On aimerait rester en Seigneur, juste adorer le Seigneur, l'élever. Bien-aimé, nous sommes dans Psaume 91. Je vais lire rapidement. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté et dix à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais une seule chose avant que tu vives cela dans ta vie. Alléluia. Le premier verset dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu as besoin de reposer sous l'abri du Très-Haut. Tu as besoin de t'approcher de l'Éternel pour que les contagions ne puissent pas te prendre, pour que la flèche de l'ennemi ne t'atteigne pas, n'atteigne pas ta vie. La vision que l'homme de Dieu a vue, c'est une vision exacte. Mais les jeunes gens ne voient plus la vie de Dieu comme une vie meilleure. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre vie. Que ce soir, avant que tu commences à remercier le Seigneur pour ce qu'il agit dans ta vie, pour ce qu'il est en train d'accomplir, demeure, bien-aimé, demeure sous la vie du Très-Haut. Fais de Dieu ton refuge. Fais de Dieu ta forteresse. Fais de Dieu, bien-aimé, ton secours. À chaque fois que tu as une situation, fais recours à l'Éternel. Ne reste pas dans tes coins. Ce n'est pas le petit cher à côté qui peut te protéger. Ce n'est pas la bouteille que tu portes dans ta maison qui te protège. Mais l'Éternel, il est dit, si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde dans la main. Ce soir, que le Seigneur sensibilise une personne dans le nom de Jésus. Je déclare que la voix de l'Éternel perce tes oreilles ce soir. Que la voix de Dieu perce tes oreilles. Que la voix de Dieu entre dans toi au nom de Dieu. Et que sa parole à la prise du Seigneur dans le nom de Jésus. Oh yes, oh alléluia. Merci Jésus. Nous aussi que les cieux sont élevés, aussi les cieux sont élevés, aussi mon pouvoir est assez élevé. On a cher, on a même on a ça. J'en ai couronné ma riche. Voici, je fais les choses nouvelles. Et on a grand qu'on est chi à Panosa. Voici, je fais les choses nouvelles. Et mi couronné, on est chahé. Les cieux sont élevés sur la surface de la terre et aussi je fais les cieux ouverts. Je vous ai établi sur cette nation pour que vous soyez des lumières, pour que vous puissiez éclairer cette terre. Je vous ai établi sur cette terre pour que vous soyez mes témoins, pour que vous cachiez à Anoumaï, nos chahalirai, les nouvelles et familles chouelles, pour Elikula Giza, pour la vie. Regardez les cris qui tombent, les cris qui tombent, les cris que j'entends. Regardez les enfants qui crient, les enfants qui crient, les enfants qui crient, les roulas méchants. Je vous ai envoyé pour que vous soyez mes témoins. Sortez de votre sommeil. On a chié en malin, sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Sortez de votre maison. Sortez de votre sommeil. Sortez de vos maisons. A vous n'ayez la michou. Sur les lumières, je vous ai établi. On est les reines au chef de la ville. Sortez de vos maisons. 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 Regardez les cris de mes enfants. Regardez les cris qui pleurent. Sortez de vos maisons. Et nous qui chalons, nous les qui sommes en Jésus. Dans des actions de grâce à Dieu, tu as reçu un grand message. L'Éternel a parlé. Si longtemps que les cieux sont élevés, le Seigneur est élevé également. Il est avec toi, l'homme de Dieu, là où tu es. Ne reste pas dans la maison. Sors, 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 sors. Le peuple pleure, le Seigneur t'a établi pour une mission.
Oh, ça c'est un message fort qui interpelle ceux qui cherchent à abandonner. Oh, tu es utile dans le fil, dans le champ de Dieu. Nous allons prendre un temps, bien-aimé, où tu vas donner des actions de grâce. Tu vas remercier le Seigneur. Oh, Rabbi, ma chère. Si tu veux louer, tu peux louer. C'est l'état de glorifier. Oh, yes. Oh, quelque chose de joie parce que l'Éternel est en train de faire des choses. Oh. God is doing for somebody. Il y a une activation que le Seigneur est en train de faire sur quelqu'un. Alléluia. I don't know what the activation is for, but it's activating something. Je ne sais pas c'est quoi, ça porte quoi cette activation, mais Dieu active quelque chose. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur te fera du bien. Son
bénis ce soir. Nous avons vraiment passé un temps incroyable et nous souhaitons que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous ramène encore dans cette atmosphère. Soit au rendez-vous, peut-être prochainement ça arrivera. Nous faisons des choses comme ça. Il n'y a rien de planifié. Dieu a voulu que nous puissions le faire. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur a orchestré ces choses. Alléluia. If there is anything I can beg you and I'm running. S'il y a quelque chose que je te supplie, si trust God. Crois en Dieu. Aie foi en trust God. Aie foi en Dieu. We can spend hours just to tell you about what is happening, what is coming, and all of nous that. Nous pouvons passer du temps pour t'expliquer qu'est-ce qui t'arrive. To it is mais trust la God. Bonne réponse en ça, c'est de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu. I can tell you for a fact. Je vais te dire une chose. Me standing upon my apostolic anointing, and I'm telling you. Je me tiens sur l'onction apostolique. Je ne sais pas si ça va se sentir bien. But God is really looking for people to le Seigneur est en train de chercher les gens pour utiliser. God is really looking for people to use. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va utiliser. Trust God. Aie foi en Dieu. Get down on your knees and pray. Agenouille-toi et prie. Open your Bible and study. Ouvre ta Bible. That is the key for the time. Ça c'est la clé pour ce temps. Your answer is not in the mouth of a man. Ta réponse n'est pas dans la main de personne, même pas dans la main des hommes de Dieu. Get it from the man of God. I'm telling you now. Je te dis présentement. The way God has opened up the spiritual realm, it is easy. Le Seigneur a ouvert l'esprit de Dieu. Little effort, you will experience. Même juste un petit effort, tu vas expérimenter. Please, I beg you. Je te prie. Trust God. Et if you don't know how to spend si tu ne sais pas comment tu peux passer du temps dans la présence de Dieu, essaye, ce n'est pas difficile. And as you do, God quand tu reviens, le Seigneur va t'emmener dans la révélation. The Bible says faith comes by hearing. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Hearing the word of God. De l'entendre la voix, la parole de Dieu. Let me help you. C'est laisse-moi t'aider. When you read your Bible, quand tu ouvres ta Bible, that is not faith, that is hope. The Bible says for we have hope through the inspiration of the quand Spirit. Quand tu lis ça, ce n'est pas la foi, ça c'est juste when l'espoir. You read it, quand tu lis, and God tells you, et Dieu te dit, that is when faith. C'est là que la foi manifeste. Oh Jesus. Oh Yeshua Mashiach. Yahweh. Hey. Yahweh. How was the song in my spirit? Hallelujah. Oh my God. Yahweh. Yahweh. You are mighty. You are glorious, Yahweh. Hallelujah. You are holy. There is none like you, Yahweh. He is Yahweh. He is Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
If there is anything you have ever placed in my life, Father, I release it and I decree the blessing of the Lord over each and every one of your lives. Father, we don't just clash for nothing. There is a rubbing that takes place spiritually. Something from them manifests on me and something on me manifests on them. Father, we come together so that you will bless the nation. And we pray not just for us here, but everyone that is even going to watch this, that you, O Lord, will release your hand upon them, O God. Teach them to love you. Teach them about the heart of the Father, Spirit of God. The Bible says, when you come, you will lead us to every truth and you will comfort us. I pray that let it be a revelation of the truth and comfort upon their hearts. And for everyone that has seen this little thing that we just did, God, bless them, increase them, and bless everything that is connected to them. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. God bless you a lot. So we are end by today. Next time, just be connected and the Lord will do wonderful things into your life. Thank you, Apostle. Thank you for your presence. Thank you, everybody. Thank you, my sister Emmanuel. Gloria Mashia. Merci, mon frère Emmanuel. Que Dieu te bénisse. My brother Moses. God bless you a lot. He's always there. Oh my God. Hello, you can just, I don't know how I can say it in English, so profite de ce temps. Alléluia. Profite de ce temps d'adoration. Nous avons fini. Adore, loue, chante comme tu veux. Et yes, Gloria Baba. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus. Oh yes. Amen. Gloria Baba. Merci Seigneur. Thank you very, very much, Father God.